À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le Club de l'environnement, en collaboration avec le Collège des étudiants, a décidé d'organiser une conférence à Bougavo sous le thème de la restauration des écosystèmes. À cette occasion, nous avons eu la chance de faire intervenir quelques professeurs, notamment le professeur Mufundia, qui a parlé sur la restauration des écosystèmes aquatiques. Il s'ensuit du professeur Gérard, qui est entamé par la restauration des écosystèmes terrestres. Et nous avons eu la chance d'inviter le représentant provincial de la FAO, qui nous parle sur les cas d'étude des projets de restauration au niveau du Sud Kivu. Et en dernier lieu, l'intervention sera présentée par M. Aloïse, qui est le président du réseau YouthMappers. De par ces différentes présentation. Nous avons été au cœur de plusieurs méthodes, dont notamment les méthodes de restauration dans les différents écosystèmes et les cas d'études. C'est un club qui a été fondé en 2017 par la première promotion d'environnement qui est partie l'année dernière. Et à cet effet, nous avions aussi continué dans la même logique. C'est à cet effet aussi que nous avons pensé à organiser cette activité. L'objectif de notre club, c'est de contribuer à la gestion durable des écosystèmes au niveau de la province du Sud Kivu. Et nous avons aussi l'ambition d'aller plus loin, même au niveau national, pourquoi pas au niveau international. Nous sommes le club de l'environnement de l'UCB. Vu que nous avons un souci suite à la dégradation des écosystèmes dans notre pays, en particulier notre province, les écosystèmes aquatiques et forestiers, c'est dans un cadre de sensibilisation que nous avons créé ces clubs. Et c'est dans le même cadre que, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ce 5 juin, nous avons organisé une conférence sous le thème Restauration des écosystèmes. Nous devons protéger et sauvegarder nos écosystèmes vu les différents services écosystèmes qu'ils nous rendent, car ils arrivent à subvenir à nos besoins. Et nous devons les conserver durablement pour les générations futures. Le Club Esprit de la sauvegarde des écosystèmes fut créé en 2018 sous l'initiative des Trésors Mango avec ses camarades qui ont terminé l'année passée. Ils étaient la première promotion en environnement de l'Université catholique de Bukavu. Ils ont terminé l'année passée à finaliser avec la création officielle du club et cette année nous voulons progresser avec la concrétisation de la mission dont ils s'étaient fixés et essayer de réaliser quelques activités qui cadrent avec cette mission-là. Notamment, nous prévoyons des sorties, des visites, des exposés, des conférences et tant d'autres activités. Et nous invitons les jeunes étudiants, particulièrement ceux de l'environnement, à y prendre part. Parce qu'avant d'abord de protéger, de défendre, de restaurer un écosystème, il faut savoir c'est quoi son écosystème, connaître ses importances. Donc nous invitons les étudiants à se rapprocher de plus en plus des écosystèmes, à apprendre plus sur les écosystèmes, enrichir leurs connaissances sur la question et pouvoir enfin agir comme il se doit pour la sauvegarde de ces écosystèmes-là. Pour cette année, le Club de l'environnement organise plusieurs activités, notamment la conférence qui vient de se passer aujourd'hui sur la restauration des écosystèmes. Nous avons également des activités par rapport aux visites. Une visite sera organisée au Parc national de Kahuzi-Biega, PNKB. Une autre visite sera organisée à Nyakabera. À Nyakabera, nous avons la gestion des déchets. Nous avons aussi les étangs. Il y a une gestion des étangs piscicoles là-bas. Et finalement, on va organiser la visite scolaire en vue de sensibiliser les écoliers sur l'éco-geste et la gestion et la conservation des écosystèmes. Nous allons organiser aussi des génies en herbe entre étudiants en vue de plus les inciter à se documenter et à mieux connaître sur l'environnement.
Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à cliquer ici et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici.